Ouais, c'est moi. Un matin comme tous les autres. Un quotidien qui doit tout de même carrément ressembler au vôtre. Les pages se tournent, petit à petit et les unes après les autres. Je crois pourtant qu'elles racontent à peu près toutes les mêmes anecdotes. Le temps passe et les gestes se répètent. Des questions se posent et parfois, quelques rêves s'imposent. Puis un jour, tu rentres chez toi et subitement, dans ta tête, tout implose. Les idées fusent. Et tu te dis, putain mec, faut que j'ose. Ça devient vital pour survivre à ce foutu quotidien morose. Alors tu te prépares, tu fais ton sac et tu le remplis d'envie. Au fond, t'as besoin de rien d'autre pour que ce soit grandiose. Alors pour toi, c'est le réveil, tu te dégourdis, tu t'entraînes et tu mets la barre haute, le sac sur le dos. Je crois que plus rien te retient. Tu quittes enfin ta grotte. Et si on se jetait à l'eau? Ouais, ça surprend, hein? Et ça fait froid dans le dos. Et si on atteignait les sommets? Ouais, comme ça, vu d'en bas, ça peut paraître démesuré. Et si on se reconnectait à l'essentiel? Faut pas avoir peur, il est pas si haut le ciel. Non, ce sera pas du spectacle, ce sera sincère, et tant pis si on se perd. Ouais, ce sera de la survie, ce sera des paysages, du doute, une putain d'aventure en monde ouvert. On va partir sans contrainte, sans obligation. Et le baluchon juste plein de crainte. Avec pour seule motivation d'être nous-mêmes, loin de tout. Ce sera de la simplicité, ce sera des fails. Des nuits à la belle étoile et un soleil qui nous éreinte. Au fond, il n'y a qu'une chose que j'espère vraiment. Que vous soyez nombreux avec moi, pour vivre comme une libération. Ce qui aura pourtant des airs de calvaire.